وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Question numéro 12. Peut-on offrir un exemplaire du Coran en arabe à un mécréant qui aimerait comprendre l'islam? Non. On ne donne pas le Coran en arabe à un mécréant. Jade. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit ne touche le Coran que celui qui est pur, tahir. Jade. Et beaucoup de savants ici te disent, c'est-à-dire que le kafir ne doit pas toucher le Coran. Le kafir ne doit pas toucher le Coran. Et je crois dans le chapitre, déjà dans le dur, le chapitre de la purification, je crois que j'ai parlé de ça. Mais j'ai également parlé, je crois, de cela dans le chapitre de la vente. Lorsque j'ai parlé du jugement de la vente du Coran. Est-ce que c'est permis de vendre le Coran? J'ai parlé de cette question là-bas. N'est-ce pas? La divergence des savants, j'ai détaillé la divergence des savants sur cette question. Et j'ai parlé également du fait de vendre le Coran à un kafir. Donc, celui qui veut des détails sur ça aussi, il peut repartir là-bas dans les cours de la vente. Bref, on ne donne pas le Coran à un kafir. On ne donne pas le Coran à un kafir. On peut lui donner la traduction des sens du Coran. Naam. Donc, il veut comprendre l'islam, donne-lui la traduction des sens du Coran. Ou bien explique-lui, n'est-ce pas, l'islam. Si tu as appris, tu connais, tu expliques. Tu peux lui donner la traduction des sens du Coran. Mais le Coran en arabe, non. Tu ne donnes pas le Coran à un kafir. Tu ne donnes pas le Coran à un mécréant. Naam. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.